son peuple élu, vient il On peut se lever. Il nourrit avec pourvoir à tous nos besoins. Ce monde souffre avec lui tout le temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la paix, viens dîner. Pardon, pendant un bon moment. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre mes saintes mains. Que ta grâce me soutienne. Comptons sur toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir, oh Dieu, libérer quelque chose. Et c'est une bénédiction pour ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te dédions cette partie entre tes saintes mains. Envoie-nous ton onction, cette onction qui enseigne et qui révèle ta parole, qu'elle soit sur nous qui parlons et sur tout l'auditoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous allons prendre notre Bible. Nous lirons trois passages. Comme c'est écrit là-bas sur l'écran. Lirons d'abord dans Matthieu chapitre 24. Du 23e au 28e verset. Ensuite nous lirons dans Luc chapitre 17. Du 26e au 30e verset. Enfin, dans Apocalypse 10, 1 à 7. Nous lisons. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, Christ ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux témoins. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Dans d'autres traditions, en quelque lieu que sera le corps, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Luc 17. Du 26e au 30e verset. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,
Watu walikuwa nakula, buve, kunya, acheter, kuuza, vendre, kununulisha, planter, kupanda, bâtisser, kujenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, lakini siku Loti alitoka kama Sodome, une pluie de feu et de soufre, mvua ya moto na ya kimbiriti, tomba du ciel, ikaanguka toka mbinguni, et les fit tous périr, na kuwaua wote. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Ndivyo itakapokuja siku mwana wa mtu ataonekana kaka. Enfin, dans Apocalypse 10, mwishaye katika Ufunuo 10, je vis un autre ange puissant nikaona malaika mwingine wa uwezo qui descendait du ciel mwenye kutelemuka toka mbinguni enveloppé d'une nuée mwenye kufunikwa na wingu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel juu ya kichwa chake upindo wa mvua et son visage était comme le soleil uso wake kama jua et ses pieds comme des colonnes de feu na miguu yake kama manguzo la moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert alikuwa na shika kitabu kidogo mkononi mwake wazi. Il posa son pied droit sur la mer akatia mkono mkuu wake wa kume pa bahari et son pied gauche sur la terre na mguu wake wa kushoto pa udongo d'une voix forte akalalamika kwa sauti ngufu comme rugit un lion gisi simba na ngurumo. Et quand il cria na wakati ali les sept tonnerres firent entendre leur voix mingurumo saba ikasikiliza masauti yao. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix na wakati mingurumo saba ilisikilizwa masauti zao j'allais écrire nilipasha kuandika et j'entendis du ciel nikasikia mbinguni une voix qui disait sauti moja kusema celle-ci qu'on dit les sept tonnerres chapa ile mingurumo saba inasema na usiandike. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre na malaika ndilikuwa naona mwenye kusimama pa bahari na leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au ciel et le siècle qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve il n'y aurait plus de temps mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Avec ce passage de l'Écriture, nous voulons répondre à une préoccupation. Nous allons poser la question parce que chaque croyant du message kwa sababu kila mwaminifu wa ujumbe est censé connaître ana lazimishwa kujua et même croire hata kuamini ce que Dieu a accompli dans ce temps de la fin kile Mungu anatimiza mwi wakati ya mwisho. Nous devons connaître ces choses. Ce n'est pas pour rien quand vous entrez dans nos églises, vous trouvez les photos. Nous devons de temps en temps revenir sur ces choses. Parce que ce sont les événements modernes qui ont été rendus clair par la prophétie. C'est notre aujourd'hui. Ni leo yetu. Même si on peut dire c'est de l'histoire, mais c'est la parole pour aujourd'hui. Hata kama tunaweza kusema bilifanyika mashiku ishakupita, lakini njoo neno ya leo. C'est déjà accompli. Ishakutimiaka. Mais c'est chaud. Lakini bibitu. Quand nous en parlons. Wakati tuko na bisemea. C'est ça qui nous donne la foi pour l'enlèvement. Njoo bila biko na tupatia imani ya kunyanyuliwa. La foi pour l'enlèvement se trouve dans les tonnerres qui ont été révélés. Imani njoo unyakuo iko ndani ya mingurumo ile ilinguruma leo. Vous rappelez nous avions vu la fois passée. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autre dispensation. Nous ne sommes plus dans la dispensation de l'Église. Aujourd'hui, c'est la dispensation de l'époux. C'est l'épouse qui est appelée. L'épouse sort de l'Église. L'épouse sort des traditions pentecôtistes. Elle sort des traditions du monde. Et elle se tourne vers Christ. La parole qui a été personnifiée.
Alors comme c'est un grand événement, il y a parfois des controverses. Il y a des divergences de points de vue. Il y a des gens qui disent que là, c'était la seconde venue du Seigneur. C'était déjà l'enlèvement. Alors, en tant que berger, c'est notre responsabilité d'enseigner les nôtres. Qu'est-il arrivé dans cet âge? Sur le mont San Set. Kinini kiritende kaka kumulima San Set. À Tucson. Kule ku Tucson. En Arizona. Ku Arizona. Donc c'est une précision. Ile ni hakikisho. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet âge? Ni kitu kani kirifika mwikizazi. Où c'est? Wapi? Sur le mont San Set. Juu ya mulima wa San Set. Qui est situé où? Yenye kwa wapi yenye? À Tucson. Ku Tucson. Tucson c'est où? Ku Tucson kwenye ni wapi? Arizona. Ku Arizona. Arizona c'est où? Arizona yenye ni wapi? Aux États-Unis. Ni ku America. C'est là. Nicolas, quelque chose est arrivé là-bas. Quelque chose a été accompli à cet endroit. Suivez les prophètes. Dans le message, quelle est l'attraction sur la montagne? Il explique ce qui est arrivé. C'est là que nous avons pris notre sujet. Au paragraphe 148, mais je commence d'abord par lire. À partir du paragraphe 147. Frère Branham dit, tout ce qui, trois points, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Kuanzia paka kuile tukio kufika na kui picha. Yani kulikuwa ka tukio fulani. Amen. Amen. Avant que l'on prenne la photo, il y a eu un événement. Mbele ya kubamba hii picha kulikuwa mbele tukio fulani. Depuis l'avènement lui-même. Kuanzia tukio yenyewe. Jusqu'à la photo. Paka na kufika kupicha. Jésus. Yesu. Qui se tient là. Yule ko nasimama pale. À nous regarder. Mwenye kutuangalia. Qu'est-ce qu'il a dit? Anasema nini? Jésus. Yesu. Qui se tient là. Yule ko nasimama pale. À nous regarder. Na mwenye kutuangalia. Et maintenant. Na sasa. Précisément sur le mont San Set. Kabisa kabisa juu ya mlima San Set. Et la lumière du coucher na du soleil. Nuru ya kulala kwa jua kutua. La lumière du soir est venue. Nuru ya jioni imekuja. Dieu qui se confirme lui-même. Mungu mwenye kujithibitisha peke yake. Qu'est-ce que c'est? Nini? Quand Dieu se confirme lui-même comme ça. Qu'est-ce que c'est? Nini? Il dit, les faits sont là. Anasema, mambo iko pale. Dieu et Christ sont un. Mungu na Kristo ni moja. Il dit, blanche. Anasema, mweupe. Il veut parler de la perruque blanche. Blanche. Anapenda kusema juu ya ile kofia mweupe. Combien ont vu ça? Mweupe. Bangapi bariona ile? Est-ce qu'il y en a qui voient là-bas? Eti kuko pale beko na yona. Combien ont vu ça? Bangapi bariona ile? La perruque blanche. Ile kofia mweupe. Qu'il portait. Ile alikuwa na vaa. Ce dont nous avons parlé dans Apocalypse chapitre 1er. Kile kenye tulisemea mufunuo sura ya kwanza. Voyez-vous? Munaona? La divinité suprême. Umungu wa juu. L'autorité suprême. Mamlaka ya juu. Pas d'autre voix. Akuna nje ingine. Pas d'autre Dieu. Akuna Mungu mwingine. Rien d'autre. Akuna kitu kingine. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ndani yake muko na tele tele ou tele wa umungu. Les anges ont même formé sa perruque. Wa malaika njo walitunga kofia yake. Donc cette perruque blanche. Kombe, il confie à moi ou Frère Branham nous explique.
Il nous donne la signification de ça. Anatupatia mana ya ile mambo. Il dit Jésus qui se tient là. Yesu mwenye kusimama pale. À nous regarder. Mwenye kutuangalia. Avec une perruque blanche. Na kofia mweupe. C'est quoi ça? Ile ni nini? C'est le juge suprême. Ni mwamzi wa juu. La divinité suprême. Mungu wa juu. L'autorité suprême. Mamlaka ya juu. Il n'y a pas d'autre dieu. Hakuna Mungu mwingine. Il n'y a que le seul Dieu. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les anges même ont formé sa perruque. Non, ni wa malaika peke yao, ndio wanatunga ile kofia. Il dit amen. Amen. Paragraphe 148. Kipindi 148. Qu'est-il arrivé? Sasa, nini rifikaka? Sur le mont Sunset. Juya mulima Sunset. Amen. Amen. Il pose la question. Et qu'on a oublié. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Kitu kani kirifika kule? Il répond. Anajibu. Dieu. Mungu. Qui confirme sa parole. Ni Mungu mwenye kutipiti. C'est la raison de tous ces bruits. Njo sababu ya hii makelele. Remarquez. Angalieni. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui accomplit de nouveau sa parole promise. Eko natimiza mara tena neno lake la ahadi. Apocalypse 10. Ya Ufunuo 10. 1 à 7. Moja hadi saba. Cette parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Il est neno ya adi. Ufunuo kumi moja adi saba. Quand Dieu accomplit cela, wakati Mungu anatimiza ile, le signe là. Ishara yo hii. La photo. Picha yo hii. Amen. Amen. L'événement lui-même, c'est l'accomplissement de cette promesse. Tokio kenye mambo ni kutimiza kwa ile adi. Amen. 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 Nous allons bien les découvrir en évoluant. Tout a une vizuri mkubungula. C'est Dieu ni Mungu qui confirme sa parole. Yule eko na tipitisha neno lake. D'Apocalypse 10 à 7. Ya Ufunuo 10 moja hadi 7. Il prend l'écriture. Anachukua andiko. Il prend le verset 7. Anachukua ya lazima. Au jour de la proclamation du message du septième ange. Na ku sauti ya baragumu ya malaika wa saba. Le mystère de Dieu serait mené à terme. Siri ya Mungu itamalizika. Le mystère caché d'Apocalypse 10 1 à 7. Siri ile yenye kufichikwa mufunuo 10 moja hadi 7. Le dernier message au dernier âge de l'église. Ujumbe ya mwisho kukizazi kia mwisho kia kanisa. Ce qui accomplit exactement en cet âge. Na ile ndio iko na timiza kabisa kabisa mwikizazi. Luc 17:30. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. C'est quoi mbamo, mwana wa moto atadifunua. En ces jours, Mwisiku, le Fils de l'homme, mwana wa moto, le Seigneur des Seigneurs, mwana wa mabwana, le Dieu Tout-Puissant, Mungu mwenyezi, le Créateur des cieux et de la terre, mbingu na dunia, s'est révélé aujourd'hui. Anajifunua leo. À l'église des nations. Kanisa ya mataifa. Amen. Amen. Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo 10, moja di saba. Accomplit exactement Luc 17, 30. Ndio iko natimiza. Kabisa, kabisa. Luc 17, 13. Amen. 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 149. Il dit, il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. Asema, wataamuka wanabii waongo na wakristo waongo. Qui montreront de grands signes et des prodiges au point de séduire les élus. Maishara kubwa na miujiza kubwa. Au point de séduire les élus. Monokta ya kutongoza hata wateule. Si c'était possible. Ingeliwezekana. Il dit, les gens sont encore dans le doute. Asema, watu. Wakingari tena mumashaka. Pourquoi doutait-il? Tu ya neno kona shakia. Parce que c'est inhabituel. Kwa sababu haina ya zoezo. De voir que le Dieu du ciel. Ya kuona kwamba Mungu wa mbinguni. Est descendu. Ameshuka. Il est descendu. Anashuka. Il est descendu confirmer sa parole d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est qui accomplit exactement Luc 17, 30. Anashuka, tu ya kutimiza, ufunuo 10 moja di saba, ile iko natimiza,
kabisa kabisa Luka 17:30. Il dit, les gens sont encore dans le doute. Asema, watu wakingari mumashaka. Et comme la d'habitude, l'église est toujours aussi intriguée. Na sakwa desturi, kanisa iko na shanga. Amen. Amen. Et la science. Na marifa. Partout à Tucson. Ils écrivent encore des articles et ils les publient dans le journal. Tout là-bas sur le monde, les monts. Les grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever de là où nous tenions. Ma caméra ya minene, iliona ile kuamuka. Haikuone wakati ilikuwa na lamuka fanze tulisimamia. Les caméras ont vu quand c'était déjà en l'air. Ma caméra ya minene. Mais quand ça s'est levé, ils n'ont pas vu. Yo iliona tu wakati ilikuwa ishakupanda juu. Lakini wakati ilikuwa ikingari na inuka hawakuona. Cela s'est déplacé lentement vers l'ouest. Ile ilikuwa nenda na kuhama. Kadoko kadoko iko nenda kwa asubuhi. Montrant que le temps est fini. Yenye kuonesha kwamba wakati imemalizika. Cela ne peut parcourir qu'une courte distance là-bas. Ile kule. C'est la côte ouest. Inezi kwenda tu ni wakati tu kidoko. Ni kungambo ya kumangaribi. Le jugement a frappé en plein dans la direction où c'est allé. Ugumu inapika modele ngambo ile rienda. C'est monté tout droit au-dessus de Phoenix. Inapanda kabisa kabisa juu ya Phoenix. Et a continué son parcours jusqu'à Prescott. Na inaendelea kuendelea kupita ku Prescott. Et dans les montagnes. Na kule kwa milima. Jusqu'à la côte ouest. Paka na kongambo ya kumangaribi. En continuant à monter directement jusqu'à. Mukuendelea na kupanda mara moja kule. Où allait-il? Ilikuwa naenda wapi? Où est-ce qu'ils allaient? Barikuwa naenda wapi? Au pluriel, oui. Directement en Alaska. Banenda mara moja kwa Alaska. Alors que le grondement des tonnerres se fait entendre. Mwakati ile lipoko ya mingurumo ilisikirikwa. Ils allaient tout droit dans cette direction-là. Barikuwa naenda mara moja mwile ngambo. Et les observatoires. Na biangari, et tous les gens de Tucson na bantu bote ba se posent encore des questions. Bangari na juliza. La recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. Kutafuta kwa wasiansa, wakingari na tafutisha sema, ni nini hii? Tellement haut qu'il ne peut pas y avoir de brouillard. Ya kupanda juu sana, munamuna ya kusema pale, hapawezi kwa mawingu. Ni de brume. Wala ma mawingu ya kidogo kidogo. Ni rien là-haut. Wala ni kitu kani kingine mule juu. Qu'est-ce qui a produit ça? Ni nini inafikisha hivi vyote? Où est-ce? Ni wapi? Ils sont tout aussi intrigués. Beko wapi? Banadingiza kabisa. Ils sont tout aussi intrigués. Bote beko na shanga. Par ce halo. Juya i gonzo. Ce halo surnaturel. I gonzo ya kwa Mungu. Suspendu là dans le ciel. Ile yenye kuyembelela mule mbinguni. Donc il compare. Beko na linganisha. Ils sont aussi intrigués aujourd'hui. Leo, bakingari na shanga sana leo. Par ce halo surnaturel. Kupitia i wingu ya utukufu. Suspendu là dans les cieux. Qu'il l'avait été quand les mages sont arrivés. En suivant une étoile. Et qu'ils ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui accomplissait sa parole. Mungu mwenye kutimiza neno lake. Un astre s'élèvera de Jacob. Wingu moja itatoka kwa Jacob. Il fait une comparaison. Iko na linganisha. Amen. Amen. Parce que vous savez quand les mages sont arrivés à la naissance de Jésus sur la terre. Kwa sababu mnajua wakati majuzi walifikaka mkuzeli kwa Yesu duniani. Quelque chose est arrivé au ciel. Kitu fulani kilifikaka mbinguni. Amen. Amen. Trois étoiles avaient fusionné. Manyota tatu ilijichangaka inafanya moyo. Amen. 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 Alors les mages, les astrologues qui observent les. Wa majuzi, wenye kujifunza mambo ya manyota na vyote vilikuwa juu.
Ils avaient compris que quelque chose s'était déroulé sur la terre. Quelque chose d'important. Et ils ont suivi cette étoile-là. Ils étaient à la poursuite de l'étoile. Et c'est l'étoile qui les conduisait. Arrivés à Jérusalem, ils se sont dit, comme nous sommes dans une cité sainte, dans la capitale même de la religion chrétienne, ici, il y a des croyants, il y a des chrétiens. Ils doivent connaître. Ils connaissent la prophétie. Ils doivent connaître ce qui s'est déroulé. Ils doivent connaître ce qui est en train de s'accomplir. Ils doivent connaître ce qui s'est accompli. Alors, ils posaient la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Les Juifs ne comprenaient pas. Mais Hérode est là. Amen. Amen. On dit que tout Jérusalem. Wanasema Jérusalem nzima. Hérode avec tout Jérusalem. Hérode, pas moi dans Jérusalem nzima. Tout s'est mis. Oh, te wakatikisika. Vous parlez d'un roi. Alors, quand ils ont considéré la sagesse humaine, ils ont perdu même l'étoile qu'ils suivaient. Ça, ça parle pas ma juzi. Wakati mwa bariekemeya, utuzi wa watu, wakapotesha na nyota, ula likuwa na baongoza. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs. Ndio kwa maana wapendwa manduku na wadada. Nous les croyons du temps de la fin. Sisi waminifu wakati ya mwisho. Nous devons avoir les yeux fixés sur l'étoile. Tunapaswa kuwa na macho yetu ya kuangalia nyota. Aujourd'hui, il y a une étoile qu'il faut suivre. Kuko nyota. Parce que dans la main de Jésus, dans Apocalypse chapitre 1er, on voit Jésus qui tenait cette étoile dans sa main droite. Est-ce que vous savez cela? Il avait cette étoile. Amen. Amen. On peut même le lire ce dimanche. On peut lire ça. Comme nous avons beaucoup de visiteurs. Dans Apocalypse chapitre 10, premier. On nous dit ceci. On a tombé à Ivi. On peut commencer à partir du verset même 12. Tu n'es pas ici à te commencer à comme une ambili. Mais ce que nous voulons lire, c'est au verset 16. Commençons au 12. Lakini kile tunapenda kusoma kiko kumustari wa 16, tuanzieni ku 12. Je me tournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Nikageuka ili nione. Ile sauti ilikuwa nasemezana nami ilikuwa ya je. C'est Jean sur l'île de Patmos. Huyo yuko nasema ni Yohano pa kisanga kya Patmos. Il est en train de recevoir des révélations. Eko nenda na kupokea maufunuo. Et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or. Na kisha mimi kugeuka nikaona vinara saba vya zabu. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Comme s'il avait été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Suivez maintenant. Il avait dans sa main droite cette étoile. Manyota saba. Amen. Amen. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Na mukinyo mwake mulikuwa natokea mupanga wa makari sana ngambo mbili. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa face. Na uso wake ilikuwa nanga kama jua wakati kuna ngamu. Quand je l'ai vu,
J'ai tombé à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, akatia mukono wake wa kume juu yangu na kusema, ne crains point. Usiogope. Je suis le premier et le dernier. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Et le vivant. Na mwenye kuwa hai. J'étais mort. Nilikufaka. Et voici, je suis vivant na, au siècle des siècles. Sasa, niko hai kwa makarne na makarne. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Na shika fumbo ya lofu na ya fazi ya wafu. C'est qui ça? Nani yule? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Donc il tenait dans sa main droite. Yani, alikuwa na shika mkononi mwake. Sept étoiles. Manyota saba. Au verset 19 et 20, on donne même l'interprétation de cela. Mustari ya 19 na 22 wanaleta utafsiri wa manyota ile. On dit à Jean, écris donc ce que tu as vu. Wanamwambia Yohana, andika bile uliona. Ce qui est na kile kilikuwa. Ce qui doit arriver ensuite. Na bile bitakuwa badai. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. Siri. Ya ile manyota saba uliona katika mkono wangu wa kume. Et de sept chandeliers d'or. Na vile vinara saba uliona. Les sept étoiles. Manyota saba. Sont les anges de cette église. Ni wa malaika saba wa makanisa saba. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Na vinara saba njo makanisa saba. Et quand frère Branham prend cela, il dit que ce sont les sept âges de l'église. Na wakati ndugu Branham anabeba ile anasema njo vizazi saba vya kanisa. Parce qu'il n'y a pas cette église. Kwani hakuna il n'existe pas cette église. Hakuna makanisa saba mudunia. Il n'y a qu'une seule église. Lakini kwa kanisa tu moja. Qui était né à la Pentecôte. Ile ilizalikwaka kwa Pentecôte. Mais qui a connu différents âges. Lakini ile inajua mavizazi mbalimbali. C'est cette église là. Ni ile kanisa. Qu'on a appelé d'abord l'église d'Éphèse. Ile bariita mbele kanisa ya Efeso. Et ça a évolué un peu l'église de Smyrne. Inapanda kwa inakuwa ya Semuna. Et ensuite quoi? Pergame. Pergame. Thyatira. Sardes. Sardes. Philadelphie. Philadelphie. Odyssée. Non. On a sauté quelque chose. Non, on n'a pas. On a sauté Thyatira. Allons-y. Tendenimbele. Éphèse. Éphèse. Smyrne. Smyrne. Sardes. Sardes. Thyatira. Pergame. Pergame. Thyatira. Thyatira. Philadelphie. Sardes. Philadelphie. Mais il faut retenir ces choses. Recommençons. Tanzuleni. Éphèse. Smyrne. Pergame. Thyatira. Sardes. Philadelphie. Philadelphie. Laodicée. Sept âges de l'église. Vizazi saba vya kanisa. Dans chaque âge, na katika kila kizazi, je ai envoyé un messager. Mungu alituma mjumbe. Et dans chaque âge, na katika kizazi kyote, Dieu ne s'adresse qu'à un seul individu. Mungu eko nasemezana tu na mtu huyu moja. Pour ce qui est de la révélation de cet âge-là, je révèle toute la révélation de l'âge à un seul individu dans cet âge-là. Dans cet âge-ci, toute la révélation de l'âge. L'ouverture des seaux. Toute la parole qui est née aujourd'hui. Tout cela a été révélé au prophète William Marion Branham. C'est pourquoi, quelle que soit l'éloquence avec laquelle on peut présenter le message, ata kama kifaransa unakisemaka je.
Quelles que soient les révélations qu'un pasteur peut avoir, qu'un évangéliste peut avoir, qu'un docteur peut avoir, que n'importe qui peut avoir, s'il ne répète pas le prophète, jetez cela à la poubelle. Amen. Il y a la mort là-dedans. Ce qui donne la vie, c'est seulement ce que William Branham a dit. Même si vous ne le comprenez pas, d'ailleurs on ne nous demande pas de comprendre, mais on nous demande de croire. Amen. Parce que le message même de Branham, ce sont ces mystères révélés. Ce sont ces tonnerres qui ont grondé. Et un mystère, quelle que soit la révélation, il garde toujours un élément surnaturel. Parce que c'est un mystère. Donc dans un âge, dans les sept âges de l'église, Dieu, pour chaque âge, a parlé par le messager de l'âge. Amen. Donc je disais, Jésus avait cette étoile. Comme les mages avaient suivi l'étoile, depuis l'Orient, ils ont fait 2 ans de marche. Ils arrivent à Jérusalem. Ils disent non. Au lieu seulement de regarder l'étoile, alors demandez à Hérode, c'est le roi, il connaît beaucoup. Non. Quand ils sont arrivés, Hérode ne connaissait pas. Quand ils ont sorti de chez Hérode, ils ont encore vu l'étoile. Et quand ils ont continué à suivre l'étoile, l'étoile les a conduits jusqu'à qui? Jusqu'à l'enfant Jésus. Et ils l'ont adoré. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Dieu nous a envoyé une étoile. Suivons cette étoile. Quand elle dit à gauche, prenez à la gauche. À droite, prenez à droite. Arrêtez d'abord. Faites quelque part, faites les pas. L'étoile vous conduira jusqu'à Jésus. L'étoile conduit jusqu'à Jésus. C'est là le seul lieu d'adoration. C'est en Christ la parole révélée. Donc, bien aimés frères et sœurs, frère Branham compare les deux là. Quelque chose s'est accompli sur la terre. Et les mages ont suivi. C'est comme aujourd'hui aussi. Il y a eu un grand événement sur la terre. C'est Dieu lui-même qui a confirmé sa parole. Sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et cette parole là, l'accomplissement de cette promesse, cela confirme, cela accomplit aussi Luc 17. C'est quoi Luc 17 30? Luc 17 30. Là, c'est Jésus lui-même qui prophétise. Il dit ce qui arriva du temps de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, les pluies sont tombées, les déluges sont venus, et a tourné tout. Ce qui arrive en ces temps-là arrivera pareillement ville. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. C'est que nous devons nous attendre à voir un prophète
Comme Noé était aussi un prophète. Un prophète avec un message. Nous devons voir l'arche. Le lieu. Phase. De sécurité. Ya ukingo. Cet échappatoire que Dieu nous a donné. Kile kikimbilio kile Mungu anatupa. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. Que l'ange du temps de Noé. Safina ya mwakati ya Noé. C'est le type de Christ aujourd'hui. Mufano wa Christ leo. Vous devez entrer dans l'arche aujourd'hui. Unapaswa kuingia msafina leo. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Par le véritable baptême du Saint-Esprit. Ndio mule ni kupata ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Comme au temps de Noé. Gisi vilikuwa wakati ya Noé. C'était la fin des temps. Ilikuwa ni mwisho ya mawakati. Dieu avait détruit le monde entier. Mungu aliuaka ulimwengu ile wakati. Aujourd'hui. Leo. C'est la fin des temps. Ni mwisho wakati. Dieu va détruire ce monde. Mungu ataharibu hii dunia. Il nous a encore donné notre repère. Comme du temps de Sodome. Du temps de Lot. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Lot? Nous voyons quelque chose. Nous voyons. D'après Genèse chapitre 18. Il y avait un prophète. Notre père dans la foi. Baba yetu muimani. Abraham. C'était l'élu. Alikuwa mteule. Il était là. Alikuwa pale. Et Dieu. Na Mungu. En ce temps-là. Mwile wakati. Était descendu. Alichukaka. Dans la chair humaine. Ndani ya mwili wa binadamu. Au temps d'Abraham. Mwakati ya Ibrahim. Dieu. Mungu. Était descendu. Alichukaka. Dieu. Mungu. Le créateur des cieux et de la terre. Le grand Elohim. Yule Elohim munene. Dans la chair. Marchant. Avec deux autres anges. Gabriel et Michael. Gabriel et Michael. Amen. Amen. Frère me dit, mais on m'a posé la question. Un théologien lui avait posé la question, mais non, mais ça devait être une théophanie. Mon théologien n'a pas su nuire. Ça quoi théophanie? Frère me dit. Ce n'était pas une théophanie. Aïkukua ka théophania. C'était un homme. Ilikuwa monto. La chair humaine. Wa minofu ya bantu. Quand Dieu est dans sa théophanie. Wakati Mungu eko katika théophania. Il ne mange pas, c'est un ange. Sitakula ni malaika. Il a un corps céleste. Eko na mwili wa mbinguni. Mais là. Lakini kule. Il avait mangé du pain. Arikulaka mukate. Mangé de la viande. Anakula nyama. Il avait bu du lait. Anakunya maziwa. On avait lavé ses pieds. Wanamuosha miguu yake. Dieu dans la chair. Mungu katika mwili wa wanadamu. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. Que ce qui est arrivé là. Ya kwamba Kenya kilifika yule mtu n'était pas Jésus. Haikukuwaka Yesu. Ce n'était pas le corps Jésus. Haikukuwaka mwili wa Yesu. Amen. Amen. Et c'est la référence qu'il nous donne. Nani kionesho. C'est que aujourd'hui ni leo. Nous nous attendons à recevoir la visitation de Dieu kutembelewa na Mungu dans une chair qui n'est pas Jésus. Ndani ya mwili ila ina Yesu. Amen. 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 Est-ce que vous aimez le Seigneur? Et tu m'appelles Bwana? Il est très bon. Ni mwema sana. Il dit, anasema, dans Dieu confirma sa parole, ndani ya maubiri, Mungu mwenye kutupitisha neno lake, du 16 août 1964, tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 64, paragraphe 260, kipindi 263, d'après l'ordinateur là, message church, c'est 246, kufatana na computer, ni 246, rappelez-vous, asema kumbukeni,
que celui qui parlait à Abraham, ya kwamba yule alikuwa nasemezana na Ibrahimu, et qui discernait les pensées de Sarah, na kufafanua mawazo ya Sarah, lorsqu'elle était dans la tente, wakati ya Sarah alikuwa nyuma, n'était pas Jésus. Yesu. Ce n'était pas Jésus. Yesu. Parce que Jésus n'était pas encore né. Le corps. Mwili. Mais c'était un homme. Lakini ilikuwa ni moto. Une chair humaine. Mwili wa mwanadamu. Abraham appela Seigneur. Ile Ibrahimu aliita Bwana. Éternel. Wa milele. Amen. 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 Donc, comme Jésus nous fait référence, il nous demande de voir, de regarder ça à ce repère-là, c'est que nous devons vivre dans les conditions sodomites d'abord. Est-ce que vous voyez déjà les conditions sodomites sur la terre? Amen. Mais aujourd'hui, on a légalisé le mariage gay, le mariage des homosexuels. Léo, si wana kubali, wana etika peupe, ufiradi, ko wana kwa banaume na banaume. Aux États-Unis, il y avait quelques États, mais maintenant, la Cour suprême aux États-Unis a décidé que ce soit partout aux États-Unis, le mariage homosexuel est permis. Un homme avec un autre homme peut aller et se marier. Quamérica, une femme avec une femme. Kurikuwa mataifa ingine ingine ilikuwaka na katala. Lakini baraza ya hukumu inakata mambo. Inasema Amerika mzima bote ufiraji tufanyeni. Banaume toane na banaume. Banamke na banamke benzabo. La perversion. Uharibifu. La sodomie. Uki sodomu. C'est la fin des temps. C'est la fin du monde. Si Dieu ne détruit pas ces morts, il doit se repentir. Il va voir les gens de Sodome et de Gomorrhe et se repentir. Ça parce qu'aujourd'hui c'est pire qu'à Sodome et Gomorrhe. Les temps sodomites sont là. La multiplication des gens sur la terre. Comme au temps de Noé, nous en voyons ça. La méchanceté. La tuerie. Suivez les infos. Suivez les infos. Des calamités naturelles. Des gens. Des assassinats. En Chine, là-bas, il y a des explosifs. Des matières chimiques qui ont explosé, il y a des morts et des morts. Kule kushine, kuna bitu binalipuka, batu banakufa ni bantu. Au Yémen là-bas. Kule ku Yémen. En Malaisie un peu partout. Kule ku Malaisie mali. Il y a des guerres partout. Kuko mavita mali pote. Il y a même des immigrés, des gens qui disent que comme nous sommes en guerre, on ne sait pas vivre. Prenons les risques même sur la mer. Ils vont sur la mer, ils se noient même. Bantu bakuama banasema sa vile vite iko hako atone kwa kwenda wala kia kufanya twendeni mbahari tukufia hata mumati. Non, alors donc il veut traverser pour aller en Europe. Wanapenda wafuke waende mbulaya. Mais les conditions. Lakini maali sasa ya safari. Peut mettre dans un bateau, ils sont nombreux. Banezi kwa. Pendant des jours et des jours peut-être des fous là-bas. Katika mashua ya pamati watu tele tele na pabure masiku na masiku. Les bateaux connaissent naufrage, les gens meurent. Mara ningi ma merikebu iko na zama watu wanakufa. Ceux qui accostent souvent c'est en Italie ou bien en Grèce. Pale peke nenda kufika kutikavu ni kukreko wala ku Italie. Il n'y a pas de conditions d'accueil. Hakuna sasa hali ya kupokelea. C'est quoi ça que nous voyons? Ile yote ni nini pale tuko na yona? La fin des temps. Mwisho ya wakati. Il avait dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, alisemaka, mutakapoona bile bitu byote. Mufanye nini? Relevez votre tête. La musheni vichwa vyenu. Car votre rédemption, sababu ukombozi wenu unakaribia. Donc, ce qui arrive à du temps de yani,
Nous voyons Dieu dans la chair humaine. Il est allé chez l'Élie. Il a manifesté le signe messianique. Le discernement des pensées. Et c'est seulement Dieu. Quand vous voyez ce signe-là, c'est que c'est Dieu qui est maintenant en scène. Moi, je ne peux pas vous tourner le dos et vous dire, frère, quand tu étais comme ceci, quand tu étais comme cela, ça, ce n'est pas donné à un Éphésien 4. Cela, c'est exclusivement réservé dans cet âge à William Branham. Parce que c'est le vase, c'est le corps que Dieu a préparé pour se voiler dedans, pour l'utiliser. Amen, amen, amen. 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 Qui est celui-là qui, quand il naît, la colonne de feu descend? C'est qui? Et quand nous voyons la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. C'est la divinité qui descend. Pourquoi est-ce que Dieu est descendu? C'est que c'est un événement important. Et quand il est né, il y a eu aussi trois étoiles qui se sont réunies. Amen. Amen. Dieu était là. C'était une descente. C'était aussi une venue de la colonne de feu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Toute venue n'est pas la seconde venue. La colonne de feu était descendue. Est-ce que c'était la seconde venue? Non. C'était une venue. La colonne de feu. Et quand l'enfant commence à grandir, quel est cet homme-là? Il a 7 ans. Il a 7 ans. Il entend vache. Attention. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne te suis pas avec les femmes. Car j'aurai une œuvre avec toi quand tu seras grand. Amen, amen, amen. 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 Et en 46, vous ne comprenez pas sa vie. Il va dans sa grotte, à Grimsmild là-bas. Là où il allait prier, il va là-bas. Il priait. Un soir, il voit comme une torche. Avance. Et il voit les pieds d'un homme. Il s'approche. Et devant lui. Il dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Pour le commissionner, lui parler de sa commission. Amen. Amen. Nous pouvons dire non, c'est un homme comme nous. Parce que il a un père et une mère. Mais quand on l'avait examiné dans la clinique Mayo, il a vu qu'il a une constitution spéciale. Sa conscience et son subconscient sont ensemble. Il n'a pas besoin de dormir pour entrer dans une autre dimension.
Amen. Tout en étant là, il peut changer de dimension. Il est là, il est au ciel, il voit ce qui se passe au ciel, il change de dimension. Il pouvait dans la ligne de prière voir quelqu'un qui est malade. Il dit, moi je ne te connais pas, mais lui te connaît. C'est juste, frère Branham ne connaissait pas. Mais lui, là c'est qui? Lui là c'est qui? C'est qui lui? Ninani. Je vous pose la question, c'est qui? Ninani na Miliza. Ninani. Ninani. Lui. C'est l'ange puissant. C'est Christ. Christo. La colonne de feu. Le juge suprême. Le Dieu suprême. L'autorité suprême. Le grand Elohim et le fort. Le créateur de toutes choses. C'est lui. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Dieu. Mongo. Dans la chair. Ndani ya mwili. Dans cet art. Mwiki zazi. Frère Branham a eu le privilège de prêter à Dieu son corps. Ndoko Branham alipata fazini ya kukongosha Mungu mwili wake. Le corps de Branham n'est pas le corps de Dieu. Mwili wa Branham haina mwili wa Mungu. J'ai dit cette page ici. Nico. Maukorasa kumina sabo niko na yapa. Je vais vous lire les déclarations du prophète si vous êtes fort. Ntamisomea maluku ya nabi kama munaitika. Il dit que anasema kwamba Jésus est monté au ciel. Yes, alipandaka mbinguni. Il a laissé son corps. Anaacha mwili wake. Sur le trône. Juu ya kiti cha enzi. Et celui qui est en Jésus là. Na yule alikuwa ndani ya Yesu. Est descendu. Ameshuka. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Hey, manduku wapendwa, wanduku na wadada. N'oubliez pas cette mise au point que nous mettons toujours. Mushisau, iki kistari, kile tunatiaka kila mara. C'est frère Branham lui-même qui a mis ça. Ni nduku Branham peke yake alisemaka ile. Kai nous parle. Wakati yako nasemezana nasi. Il demande à Dieu de nous secouer. Eko na mwambia Mungu asema uatikise eko. Dans El Shaddai. Katika mahubiri El Shaddai. Di Seigneur. Asema Bwana. J'ai la semence d'Abraham ici. Niko na mbeko ya Ibrahimu. Qui sont semence d'Abraham? Banani mbeko ya Ibrahimu. Nous avons reçu la visitation de Dieu. Tunapokea kutembelewa na Mungu. Et di Seigneur secoue. Asema Bwana uatikise eko. Voulez-vous vous secouer? Munapenda kujitikisa. Pour bien voir. Bon, Dieu pour c'est vous les. Watikise. Qui ne regarde pas la chair. Et shangaria mwili. Qui ne regarde pas la chair. Et shangaria kwa mwili. Parce que la chair même que tu avais utilisée là. Kwaani. Ule mwili ulitumikishaka kule kwa Ibrahimu. Après l'avoir utilisé, elle retourne à la poussière. Il dit de même, Seigneur, cette chair-ci que tu utilises retournera à la poussière si Jésus tarde.
Dans les soins du temps de la fin, il dit, c'est ça qui vous semble difficile. Non pas le fils de l'homme lui-même, mais le messager, le septième ange. Le septième ange révèle le fils de l'homme au public. Frère Branham nous a révélé le Fils de l'homme. Lui-même n'est pas le Fils de l'homme. Il est un Fils de l'homme. Mais la différence, l'article défini. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Frère Branham l'a révélé, l'a manifesté. Si vous comprenez, dites grandement amen. 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 Qu'est-il arrivé dans cet âge? Sur le mont Sunset. Addiction. En Arizona. Au paragraphe 152, il dit, le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. C'est en 1965 ici. Alors il dit, il y a 3 ans, en 1962 donc, ce mystère était une prophétie. Quand il avait prêché, monsieur, quelle heure est-il? Mais il dit, mais maintenant, c'est de l'histoire. Non, il veut montrer que c'est accompli. C'est ce qu'il avait vu là. Les anges qui venaient de l'éternité. Il avait d'abord eu une vision. Et il lui fit dit d'aller à Tucson. Il a dit, je ne déserte pas mon poste de pasteur. Mais je vais là-bas. Parce que Dieu me demande d'aller recevoir. Et il est revenu prêcher les messages. Amen. Amen. Il dit, la promesse s'est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il? Quelle est cette attraction? C'est Dieu qui accomplit sa part. Il est le même hier, aujourd'hui, pour tous. Donc, Frère Branham dit, c'est Dieu qui accomplit sa parole. Quelle parole? Quelle promesse? Quelle prophétie? C'est d'Apocalypse 10, 1 à 7. Il confirme cette parole. Maintenant, Apocalypse 10, 1 à 7. Accompli aussi Luc 17, 30. J'ai essayé par-ci par-là d'expliquer Luc 17, 30, ce que je faisais ici. Kupima hapa na hapa, kufasiri yako bile napima kusema hapa. Mais prenons Apocalypse 10. Sasa, tuchukwe ni ufunuo kumi. Au chapitre premier, au verset premier, mustari wa kwanza, il est dit, j'ai vu un ange puissant. Imesemewa, nikaona malaika mwingine wa uwezo. Amen. Amen. Vous avez votre Bible là-bas? Je viens notre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite, et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied.